19h, nouveau Big Gamowski, c'est parti! Alors oui, aujourd'hui on commence, on fait beau, parce que c'est El Mobo pour la musique. Et oui, c'est Early Works, il a été jeune comme tout le monde, et il était déjà bon le bougre en plus. Et donc c'est un petit fond sonore absolument intéressant, puisque aujourd'hui on va aborder une phase histoire du shmup. Oui, le shmup, c'est vraiment toute une histoire. Et en fait, tous les gens sont persuadés que ça remonte aux années 70, quand on a commencé à pouvoir contrôler des éléments qu'on affichait sur écran et qu'on a envisagé d'en faire des jeux. Mais en fait, ça remonte bien plus loin que ça. Ça remonte à une époque où les gens ne connaissaient pas encore toute la géographie réelle de cette planète et les merveilles dont elle recèle. Et ils n'avaient pas vraiment conscience du mythe de l'Atlantide. Et c'est ainsi qu'est né Batlantis. Batlantis, le shoot ultime qui va réconcilier histoire et Space Invader. Alors là, vous regardez avec un sourcil un petit peu rabaissé d'un côté, et vous avez totalement raison, parce que vous vous dites, mais n'est-il pas déchiré notre Monsieur K aujourd'hui? Eh bien, je vais vous prouver que non. Tout simplement en lançant le fameux forfait ce Batlantis. Alors, je dois vous avouer que la première fois que je l'ai lancé, j'ai été moi-même très surpris, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce sont des choses qui arrivent, hein, comme on dit. Donc, 1987, Konami nous sort Batlantis, parce qu'il est parti sur l'idée géniale que Space Invaders, c'était encore trop bien comme gameplay, et que si on le réadaptait dans un truc Heroic Fantasy, ce serait trop génial. A-t-il eu raison? Alors oui, il y a quelques idées. Ceci dit, nous resservir un Space Invader. Déguisé en mode Heroic Fantasy, je suis pas super convaincu que ce soit la classe ultime, quoi. Oui, vous êtes comme moi. Vous êtes interpellé, vous vous dites, il faut absolument qu'on voit ce jeu en conditions réelles. C'est parti. J'ai peur, j'ai très peur. Alors tu peux cancel les tirs. Et tu dois bien zigouiller les petits prétentieux qui auraient la méchante idée de venir en bas de l'écran. Puisque sinon tu vas avoir de grosses misères, de gros malheurs. Bref, de la peine, en veux-tu, en voilà. Regardez-moi les bougres, ils essayent de monter en plus. Bim et bim. Et j'ai un boss! D'accord. Alors, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est jouable, c'est propre. Ceci dit, réinventer le Space Invader maintenant. Oh, c'était traître ça, c'était méchant, c'était gratuit. Réinventer le Space Invader presque 10 ans plus tard, il y a une certaine laideur dedans. Parce que le gameplay est quand même cucu comme la praline, hein. Cucu la praline. Non, je me barre, je me barre, je me barre. Alors là, l'ordre séquentiel, pareil, niveau gameplay, c'est vous poser des questions, vous faites. Où est-ce que je m'amuse en fait? Ah, fuck him! Non, 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 non. Il reste 20 secondes avant que j'ai fait mes 5 minutes légales, vous savez ce qu'on va faire? Je vais déjà attendre ce compteur. Je vais rentrer mon nom. Puis on va discuter un petit peu là. Faut qu'on discute. Pourquoi en 1987, Konami trouve judicieux de reprendre le gameplay de Space Invader qui a quelques qualités, mais tellement de lourdeur pour en faire un jeu où ils ont payé du graphiste quand même, du développeur,
Mais pour un truc qui a la jouabilité d'un stand forain, d'arnaqueur, quoi. C'est vraiment dommage. Oui, je suis déçu. Moi, j'attendais deux grandes choses de ce Batlantis. Et finalement, on n'a rien eu. Donc, je vais remettre ma veste d'explorateur. Je vais quitter le jeu. Soigneusement le plier. Monter les escaliers jusqu'au grenier. Et le mettre dans cette malle, la malle de l'oubli, où on archive tous nos shmups foireux qu'on n'a plus trop envie de revoir en 2018, ça c'est clair. Je vous laisse avec les deux streams habituels et je m'en vais déprimer sous un arbre en lisant des poésies gothiques. Bonne nuit. À demain, 19h, peut-être.